Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 55e épisode de cette série avec l'Égypte. La dernière fois, nous avions fait une grosse baston Hervé Bourakon. L'armée des Iséniens, on l'avait ratiboisée, avec une seule armée globalement. Bon, j'avais pris la cavalerie de l'autre armée, mais bon, dans l'idée, c'est qu'une seule armée qui a tout dégommé. J'ai quand même un petit personnage ici, Ryza. Alors, cette femme est enceinte, affirme que le père est un homme de votre famille et on parle dans les rues, un bâtard d'une peu. Ruiner la réputation d'un homme. Alors, adopter le bâtard, en disant que j'en ai une somme raisonnable ferait partir son jeton, mais pour combien de temps, les faire disparaître, on n'entend plus parler de cette femme, les gens oublieront vite ses mensonges. Moi, dans le doute, ce genre de truc, je trouve ça louche. Bonjour, c'est nous, on vient prendre la ville. C'est chez moi maintenant. Ça vous va? De toute façon, je vous laisse pas trop le choix. Voilà. C'est chez moi. Par contre, l'armée a pris cher. Va falloir se refaire un peu la santé quand même, hein. Je pense que ce sera plutôt important. Tiens, on va faire ça. Petit entrepôt. Ben, on va faire celui-là, camp des mercenaires. Toi, on fait déjà ça. Une petite bibliothèque, un petit temple. Temple d'Horus, tiens. Pour changer. Pour changer. Tiens, ils ont viré leur armée dans le coin. Bon, bah, moi, je prends ça, hein. Voilà, on massacre tout. Merci. Allez, casse-toi, la flotte. Casse-toi. C'est chez moi maintenant. Eh bien voilà! Morédunon, c'est à moi maintenant également. L'armée qui gagne du galon en plus. Tout bénef. Tout bénef. On va faire un petit port militaire quand même. Ça, on détruit. Ça, ouais. On va faire ce bâtiment-là. Et cette générale a gagné du galon. Et l'armée aussi. Inexorable conquérant. C'est l'armée, c'est pas le général. Très bien. Du coup, ça, c'est à nous. On a pris déjà une bonne partie de la Bretagne. Maintenant, il reste à s'occuper des Irlandais et des Écossais. On est bon. Cette armée-là, bah, elle peut largement aller prendre Eildon. On va prendre l'Écosse, du coup. En effet. De toute façon, les Iséniens, maintenant, ils sont réfugiés en Irlande. On leur a tellement dégommé leurs armées dans le coin. Allez, on convertit tout ce bazar. On va se faire un petit bâtiment. Voilà, parfait. Et boum, on détruit. Eh bien, c'est magique tout ça, n'est-ce pas? C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Tiens, tiens, une armée ici. C'est vrai? Toi, bouge. Bouge. Une armée supplémentaire. Très bien. La garnison. Elle est au top, la garnison. Elle est au top, la garnison. On va faire même ça. On va se payer le luxe d'améliorer tout ça. Toi. Ramène-toi par là. On va devoir s'occuper de cette armée des Iséniens. Pour le reste, mes armées se déplacent vers le sud. Toi. Approche-toi de là. J'avais pas une armée dans le coin? Tiens, une armée des Garamantes ici. Non, on va d'abord s'occuper des Gétules. Les Gétules en priorité. Ça me fait penser, il n'y a pas une armée. Bah si, là, ici, il y a des armées des Gétules. Si, on a une. Pourquoi, je sais pas. Mais il y en a. Oh, tu veux. Allez, hop, bouge. On va clairement avoir besoin de vous. Dans le coin pour dégommer ces petites armées de pacotille. Toi, tu te diriges ouais, vers Garamantès. Vers les Garamantès, ouais. Tingis, parfait. Toi, par contre, tu vas arrêter de courir. Toi, tu vas arrêter de courir. Faudra qu'on lui dégomme ce truc. Faudra qu'on lui dégomme ce truc. Mais d'abord, faut vraiment que mes armées arrivent à côté. Quand les armées seront en position, on pourra faire une petite blitzkrieg des familles comme on les aime pour dégommer tout ce bazar. Mes armées, les Chypriotes, qu'est-ce qu'ils font les Chypriotes?
J'aimerais savoir ce qu'ils font. Toi, tu vas arrêter de courir quand même. Est-ce qu'ils vont retourner chez eux? Enfin, est-ce qu'ils vont chez eux? C'est la question que je me pose. Lui, on dirait qu'il va peut-être retourner chez lui. Par là. Toi, tu vas arrêter de courir. Ah bien, tu pourrais passer là. Voilà, hop, tu te mets à côté. Et je voudrais savoir ce que font leurs armées. Si leurs armées chypriotes, là, les chypriotes qui retournent chez eux, ce serait juste magique. Magique. Pour le reste, ma flotte. Ma flotte, pour l'instant, elle va rester ici. Elle va rester sur place, ma flotte. Les cimériens, tiens. Ils existent encore. Ils existent encore avec leur flotte. S'ils veulent, s'ils veulent. S'ils veulent, parfait. De toute façon, tu vas mourir de faim tôt ou tard. Hein. Tu vas pas tarder à disparaître. Eh bien, on va pouvoir passer le tour. Qu'est-ce que vous avez? Touk, 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 les compagnons d'Horus. En prenant Edimbourg, enfin pardon, Eildon, tu as gagné du galon. Félicitations. Félicitations. Quoique ma flotte, je vais quand même la déplacer. Afin d'en finir avec cela par là-bas. Les autres, ils oseront pas m'attaquer. Je le doute. Je doute qu'ils m'attaquent. De toute façon, j'ai bientôt une flotte qui va se ramener. J'ai d'autres armées. On aura largement de quoi faire. Pour dégommer ces éventuels adversaires. Traité de paix. Oh, comme c'est mignon. J'ai tellement pas envie de le faire. Désolé, on va te défoncer ta face, toi. Est-ce que tu vas tenter une opération? Il approche son armée, hein. On dirait qu'il essaye de reprendre au moins une ville. Au moins une. Après, c'est pas con, hein. La ville sur laquelle, vers laquelle il se dirige, c'est la ville où se trouve mon armée la plus mal au point. Mon armée a pris très très cher à ce niveau-là. Du coup, c'est pas une absurdité. Clairement, c'est logique qu'il se dirige vers cette armée. Ah, tiens, bah merde. Elle est morte celle-là. C'est un peu con quand même. Brave du roi. Toi, t'as gagné le galon. Parfait. Ouais. Améliore ta portée. Une question de sang. Ah, c'est dommage. Bien dommage. Parfait. Ici, on a fait toutes les technologies. Bah, on va faire celle-là. Manœuvre stratégique. Celle-là, ça faisait quoi? Plus 10% de morale pour toutes les unités, plus 10% de bonus de charge pour toutes les unités, plus 10% de défense en mêlée pour toutes les unités, plus 10% d'attaque en mêlée pour toutes les unités. Ok, on va tout ratiboiser. On va totalement tout détruire. Cette armée, de toute façon, elle est bientôt à nouveau opérationnelle. On va se mettre là. Essaye de m'attaquer, bougre. Je t'attends. Ici, c'est bon. Toi, approche. Son armée ici, elle se casse. On va d'abord en finir avec les bougres. Pas grand chose dans le coin. Pas grand chose. Les bâtiments ici. Il faut que j'en construise des nouveaux. Un petit temple, ça sera du plus bel effet. Quant à mes armées, elles approchent. Toi, tu vas vers le Gétule. C'est ton objectif. Tu vas même y aller en courant un tout petit peu, afin d'être à côté. Comme ça, au prochain tour, on peut directement lancer l'Empiration. Afin de prendre cette ville. Très, très bien. Tiens, ici, on a gagné un truc. Ok, voilà. J'ai fait un bâtiment. Wow. Mes armées se déplacent. Ouais, bon, bah maintenant, je crois que j'ai plus qu'à passer le tour. Hein. S'ils m'attaquent là, je leur souhaite bien du plaisir. Ici, on va peut-être attendre que notre garnison se fasse. De toute façon, je peux pas passer par là, par la terre. On est obligé de prendre le bateau pour aller en Irlande. Ma flotte arrive dans tous les cas. Et après, il suffira juste de dégommer ce machin. Facile. Facile. Allez, on y va.
On approche clairement de la fin. Le Chypriote, ses armées, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il faisait avec ses armées, le Chypriote. S'il se dirigeait vers ses terres ou pas. Ça m'arrangerait qu'il se dirige vers ses terres, étant donné au moins ça empêcherait qu'il se disperse un peu trop. Clairement, c'est le truc qui me fait le plus chier avec ce type. C'est ses armées qui se trouvent à travers tout mon empire. Tandis que si je venais à lui déclarer la guerre, il pourrait prendre une ville au hasard. Ça m'agacerait au plus haut point. Alors que si tout est regroupé, au moins je détruis sa nation, c'est fait. Plus de problème. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait, c'est qu'il retourne chez lui. Il retourne sur son territoire, ce qui m'arrange énormément. Ils ont mis un terme. Oh, comme c'est mignon. Moi, je dis Casus Belli, hein. Ah, ok, bah mon armée, elle se trouve à côté, on va vous dégommer, hein. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord, Thierry. Militaire. Allez. Militaire. Très bien. Alors, ton armée, elle se casse. Oh. Tu fuis, c'est mignon. Comme c'est tout pitou mignon. On va te dégommer ta face. Coucou! Ce fut un plaisir. Un plaisir et un honneur. Arrête-toi. De cette manière, en courant un peu. Ouais. Courant un peu, on va quand même envoyer la vie là-dedans. Se refaire un peu la santé. Ah, tu vas pouvoir prendre ça. Ah bah on va prendre la ville, ouais. Prenez-moi cette ville. Les enfants du Nil, parfait. Ça a gagné du galon là. Leveur de blocus. Ici, on convertit la population. Port militaire, parce que ça fera classe. Ici, on va faire une petite. On va améliorer un peu la garnison. Là, j'ai un bâtiment à faire. On va faire un petit temple également. Parfait. Du coup, j'aurai plus besoin de ces armées-là. On va pouvoir foncer sur le gars là. On va pouvoir faire ça. Mon armée ici, elle arrive. Eh bien, tu vas aller par là. Okay, je peux pas l'attaquer, lui. Je trouve ça plutôt bizarre. En tout cas, Lycénien, il lui reste plus que des flottes. Qu'on va se faire une joie de dégommer. Clairement, ce sera un plaisir de dégommer sa flotte. Toi, ton armée, c'est pitoyable. On va recruter une flotte. Une petite flotte supplémentaire. Pour dégommer tout ce beau monde. Voilà. Encore un tour, on peut pas recruter encore. Ah si, je peux recruter quelques unités déjà. Mais oui. Mais bien sûr. Alors, rien qu'avec ces 6 navires, on aura de quoi faire le ménage dans tout le pays. Pour le reste, mes armées, ça se déplace. Ah bah oui, tiens, lui. Le Gétule. T'avais osé faire une petite connerie, je crois. Alors, un petit sabotage. Est-ce que tu peux m'empoisonner les provisions, s'il te plaît? Tu as réussi, c'est bien. Tu gagnes du galon en plus. Encore mieux. Alors, bah tu vas améliorer tes compétences en poison, hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah ouais, l'armée a pris cher là. Ah, t'as pris cher, mais Billy, hein. Allez hop. Le Gétule. On en finit. Une bonne fois pour toutes. Du monde à détruire, mais bon. On va pouvoir se refaire la santé aisément. Et voilà, cette ville enfin à nous. Je l'avais mis de côté pendant trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. J'ai pas des bâtiments à convertir encore, dans le doute. Non. Non, c'est bon. C'est bon. Quoique ici, là. Non. Non, c'est bon, en fait. Clairement, c'est bon. J'étais persuadé que j'avais des bâtiments à construire ou à convertir. Mais pas du tout. Ce qui n'empêche que. Dévoyez-moi cette armée.
Merci. Et une nation détruite. Voilà, il nous reste du coup plus que 4 nations. Les Isséniens achevés, les Cimériens. Non, 5 du coup. Étant donné qu'il y a aussi les Dumoni, les Garamantès et les Chypriotes. Et moi, mais bon, moi je me compte pas comme nation éliminée. C'est clairement pas. Clairement pas. On a bientôt fini tout ça. Les Chypriotes, ils retournent chez eux. Ce qui est plutôt un avantage. Ce qui fait qu'on va pouvoir dégommer tout ce beau monde d'un coup. D'un coup. Toi, ramène-toi. On va bientôt se mettre à attaquer le Garamantès. Bah, toi, tu vas rester à côté, tiens. Tu vas rester ici. Mes armées, ici, elles se trouvent bientôt. Très très bientôt, on va pouvoir leur dégommer la face à ces bougres. Très bientôt. Ce sera un plaisir. Dans 3 tours, je pense, on va pouvoir leur dégommer la face. Au Garamantès. Très bien. Mes armées, si c'est bon, on peut passer le tour. Ouais, je pense que le prochain épisode, c'est la fin. Je pense que ouais, c'est la fin. Mes armées, elles sont déjà en place pour buter le Chypriote. Le Garamantès, c'est bientôt fini. Le plus long, en fait, ça va être de poursuivre, à mon avis, les flottes des Isséniens. Qui vont fuir. Ce qui va m'agacer énormément. Ok, ils ont pas l'air de trop fuir. Peut-être, et avec oui, mais non. J'ai pas envie. Je veux pas. J'ai envie de te dégommer la face juste après. Ok, on s'entend très bien, t'as été pendant très longtemps hein, mon satrape, t'as été parfois assez utile de temps en temps. Mais pour l'instant, j'ai plus envie de te voir. Sabotage militaire, fichtre. Commerce prospère, production agraire. Faire agriculture. Alors, on a quoi ici? On a une armée, et là, une armée également. Ah non, c'est flotte et flotte. Ok, non, c'est seulement leurs bateaux qui sont extrêmement moches. Et c'est tout, c'est... La mocheté à l'état pur. Dégommez-moi ça. Déjà. Voilà, ça. C'est fait. Une flotte en moins. Et maintenant, toi, tu vas y aller au pas de course. Tu retournes à Eblana. Pourrait quand même pas laisser la flotte isénienne derrière reprendre la ville. Quand même pas. Surtout qu'à Eblana, j'ai pas de garnison encore. On va faire celui-là. Toc, ça c'est bon. Et on va faire un petit temple de Sérapis. Très bien. Combien de temps avant, ici là? Donc il y a une garnison. 2 tours. 2 tours avant qu'il y ait vraiment une garnison. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut pas y toucher. Toi par contre, on peut enfin y toucher. Très bien. Mes armées au nord, elles servent plus à rien du tout. Du coup, on va les envoyer vers le sud. En courant, ce sera encore ça fera du plus bel effet. Il n'y a plus rien à craindre au nord. Plus rien à craindre du tout. Le dernier gars, ce sera du velours pour le dégommer. Lui. Qui est presque avec 2 armées, à mon avis, ce sera assez aisé de le dégommer. Parfait. On peut voir où sont ses armées à lui. Ah, il a une armée ici, Garamantès. Une flotte ici. Tiens. Une armée qui perd de la vie. De toute façon, si c'est qu'une flotte à défoncer, voilà quoi, ce sera assez aisé de dégommer tout ce beau monde. Ramène-toi, hop. J'ai pas d'autres flottes dans le coin. Si, j'ai cette flotte-là. J'envoie toute la flotte. Nous envoyons la flotte. Ce qui fait qu'en fait, avec une des armées, parce que bon, voilà quoi, c'est les scorpions du désert, c'est le Garamantès, leur armée. Bon, allez, quand même, dans le doute. C'est pas avec cette armée-là qu'ils arriveront à faire vraiment quelque chose contre moi. Clairement pas.
Globalement, en soi, j'ai de bonnes défenses, hein. Tapsus, c'est peut-être le point faible de ma défense. C'est carrément le point faible. Il pourrait prendre Tapsus. Il pourrait. Pourrait largement même. Ouais. Faut se méfier. Faut que je me méfie. Faut que je me méfie contre ces bougres. Dans le doute, il pourrait faire mal. Comme j'ai pas envie de prendre de risques, inutile. On va... non. Faut vous le dire en quelle langue? Non. Niet. Nein. No. Nada. Je sais pas. J'ai pas envie. Si tu veux, sabotage militaire, il continue. Engager les cartes du corps, allez. Vas-y. Améliore tes compétences d'entraînement. Toi, c'est bon, il n'y a plus besoin de courir. Toi, par contre, tu as carrément besoin de courir vers le nord afin de t'occuper de ça. Au pire, je ferai le siège de Sidamnus avec mon armée. Mais ce que je veux, c'est vraiment détruire cette armée avant. Et éventuellement dégommer leur flotte. Ce serait tout bénef à ce niveau-là. Ce serait tout bénef. Ma flotte, le gars là. À mon avis, ce sera un petit plaisir de le dégommer. Est-ce qu'il va se réfugier assez loin? Oh, l'enfoiré. Il a réussi à fuir assez loin. Oh, le traître. C'est fini? Il n'y a plus de Cimériens? Ah bah non, il n'y a plus de Cimériens. Bon, bah ma flotte ici, tu n'as plus besoin de courir. On va y aller en pas de course hein, quand même avec cette histoire. On va passer par ce côté de l'Irlande. Mes armées là, on va pouvoir bouger un peu et défoncer les armées de ce bougre. Oui, ce sera plaisant. Très plaisant même. Hop, passer par son pays. Du Moni. Ouais. À votre service. Toi, tu vas arrêter de courir, s'il te plaît. On va s'approcher, on va se mettre face à face. En mode, coucou, on est là. On est prêt. Mes armées sont pas encore à l'endroit où je voudrais, mais prochain tour, on leur fait une blitzkrieg. Les Chypriotes. Les Chypriotes. Attends, c'est par là que je vais aller. Là, il y a une de leurs armées. Là, il y a une de leurs armées. Et là, il y a une de leurs armées. Je pense que les Chypriotes, on va pouvoir leur déclarer la guerre. Ouais. Déclarons la guerre aux Chypriotes. Coucou, c'est nous, vos anciens alliés. Enfin, vos anciens maîtres. On vous a libérés, mais ceci était pour mieux vous annexer. Si on regarde la map, est-ce qu'ils ont des armées chez nous? Chypre ici, ils ont une armée là. Ils ont une armée en Italie. Ils vont peut-être me faire mal en Italie. Ils vont peut-être me faire mal. J'ai pas des armées dans le coin? Si, j'ai cette armée là. Parfait, j'ai une armée en Gaule. Elle est ici. Tu vas bouger pour aller dégommer le bougre là-bas. Au pas de course. Il va peut-être prendre Ariminium, Vilatri, je sais pas quelle ville il va prendre, mais il va en forcément prendre une. Dans tous les cas, on va dégommer ce gars. On va lui prendre le plus de villes possible. Voilà, ça c'est fait. Il fuit un peu le bougre. C'est qu'il va pas m'empêcher de tenter de faire un petit sabotage réussi. Ça c'est un bon point. Ouais, améliore tes capacités de poison. Toi, on te prend ta ville. Ah non, on peut pas la prendre tout de suite. On va faire le siège. Faire le siège, on va faire des tours de siège. Continuer le siège. Parfait. Il suffira juste de dégommer ça juste après.
Il faut que je m'arrête, fichtre. Eh ben, ce sera pour le prochain épisode. Je pense que le prochain épisode, on fait une blitzkrieg totale, on annexe tout. Au pire, je le ferai plus long, l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On approche vraiment de la fin. La fin, c'est le prochain épisode. Clairement, je suis en guerre contre tout le monde. Sauf les Garabantes encore. Mais ça va pas tarder à se finir. Les Chypriotes, il leur reste plus que leur capitale, Tarsus. Les Garamantes, c'est leurs deux territoires. Mes armées sont quasiment en place. J'avais juste pas prévu cette armée chypriote en Italie. C'est le seul truc que j'avais pas trop prévu, c'est cette armée. Sinon, tout le reste, tout est en place. Tout est organisé. La Grande-Bretagne est quasiment à nous. C'est vraiment la fin. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. A plus les gens.